Depuis le commencement, Anéa n'a parlé de l'amour de Dieu. Comment grandir dans l'amour de Christ? Ces questions, ça que nous répondre. Grandir dans l'amour de Christ, comment pour nous aimer bon Dieu? C'est le nous aimer bon Dieu. Nous qu'avons aimé l'autre monde et nous qu'avons tête nous. Donc, on a parlé de qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu. Pendant qu'on a parlé de qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu, donc la Bible répond à la question. Il dit, mais comment on va aimer bon Dieu? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et est-ce que l'avait même? Et Jésus pourra l'ajouter, et ton prochain comme toi-même. Donc, nous avons parlé de ça, ça veut dire aimer Dieu avec le cœur. Donc, nous prenons tout le mois de janvier pour nous expliquer question. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu avec le cœur? Et une bagage que nous apprenons, c'est que nous t'ai dit le cœur, c'est synonyme de qui ça? De? Le cœur, c'est synonyme de l'esprit. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Maintenant, nous t'ai posé question tout. Donc, l'un a parlé l'esprit. Quelles sont les facultés de l'esprit? Il y a des gens qui sont gênés, nous t'ai dit esprit, ou bien trois bagages importants le fait. C'est qui ça? Communion, côté le mettons en contact avec bon Dieu. Deuxièmement, c'est qui ça? Intuition. Et troisièmement, c'est qui ça? Conscience. Donc, on prend tout le mois de janvier hein, pour nous parler de communion. Comment pour vivre en communion avec bon Dieu? Ou besoin de passer temps dans la prière? Ou besoin de passer temps dans l'adoration? Ou besoin de tendre la voix de Dieu? Ou besoin de servir bon Dieu? Donc, toute bagasse vous permet de vivre en communion avec bon Dieu. Quand on va l'entrée, on a une deuxième faculté de l'esprit. Ou bien encore qui parlait du cœur. Deuxième bagage que le cœur fait. Le cœur, non seulement, lui permet que vous connectez avec bon Dieu, le cœur, en deuxième bagage que le fait, lui permet que vous recevez révélation de la part de Dieu. Ou recevez révélation de la part de Dieu. Ou recevez instruction ou bien information avec tête ou, mais ou recevez révélation dans le cœur. Donc, nous allons parler de sujet ça qui est important. Donc, je dis, nous allons parler de ça, ça veut dire. Alors, intuition, intuition signifie révélation qu'on recevoit. Ça, bon Dieu, information. Que bon Dieu transmet toi, le bon Dieu transmet ton information, information que le transmet toi, relais révélation. Mais ou même ou recevoir la manière qu'on recevoir là, relais intuition. Est-ce qu'on avait même bon Dieu bas ou révélation ou recevoir révélation par intuition. Donc c'est ça que fait n'a parlé de ça matin. Donc on nous parler de ça rapidement, l'un a parlé de intuition ou bien révélation qui s'allie. Donc on va le plus focus sur le mot révélation. L'un a parlé de révélation qui ça veut dire exactement. Gardez Éphésiens chapitre 1 verset 18 pour nous commencer à garder ça de près. Éphésiens chapitre 1 verset 18, ça c'est apôtre Paul qui a prié pour les chrétiens d'Éphèse. Et puis il dit comme ça, et en nous lit, il dit qu'il illumine les... Well, non, mettez-le depuis verset 17, nous raté verset 17 là. Verset 17, en nous dit, qui ça le dit, qui ça? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, regardez qui ça le dit? Vous donne un esprit de qui ça? De sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et puis, regardez qui ça le dit. Et comment on va faire recevoir ça? Il dit qu'il illumine les yeux de votre... Les yeux de votre... Les yeux de votre... Ah! Aimer Dieu avec le cœur, il pas seulement signifie ou adorer avec cœur, ou prier avec cœur, chanter avec cœur, ou servir avec cœur. Aimer Dieu avec le cœur signifie tout ou recevoir révélation avec cœur. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. L'oreille, mais bon Dieu, yeux, cœur, ouvert. Ça veut dire, l'œil dit yeux, cœur, là, ça veut dire yeux, esprit ouvert. Ça veut dire yeux spirituels ouvert. Est-ce qu'on a même? L'oreille, mais bon Dieu, l'oreille, mais bon Dieu, force yeux spirituels ouverts pour bon Dieu. Force oreilles spirituelles ouverts pour bon Dieu. Est-ce que vous entendez ça, Mabdia? En d'autres termes, fort toujours prêt pour recevoir révélation de la part de Dieu. Donc, c'est ça que fait ça. Paul dit, moi prier que bah, nous ayons esprit de révélation et de sagesse dans sa connaissance. Et puis, l'aller, il dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur.
On nous dit les yeux de votre cœur. Maintenant, moins réexpliquer ça. Nous songez le m'te fait à Petro du sujet, m'te dit nous deux bagailles. Moi te dit nous comme ça que gain deux gens ou capable connaît ou capable connaît yon bagaille avec manou avec intellect ou bien avec intelligence ou bien capable connaît yon bagaille dans cœur. Et m'te dit yon bagaille donc ça qu'on recevoir dans intelligence ou li relé information. Et puis ça que recevoir dans cœur là, lire les révélations. Maintenant, révélation plus puissante passer information. Ou à l'école pour recevoir information, mais bon Dieu lui-même li ba ou révélation. Est-ce que l'église allait ça m'a dit là? Donc Paul dit comme ça, moi prier pour qu'agon esprit de sagesse. Il pas dit d'information, il dit de sagesse et de révélation. On nous dit révélation. Il y a trois bagages que nous besoin faire par rapport à révélation qui est très important. Trois bagages que nous besoin faire par rapport à révélation. Numéro un, nous besoin ou mettre écrit et puis moi l'expliquer. Numéro un, ou besoin recevoir révélation. On nous dit recevoir révélation. Ça veut dire le bon Dieu bon révélation. S'ouvre les reins, mais bon Dieu avec tout cœur. Ou bien sourire, mais bon Dieu, avec tout cœur, le bon Dieu communique ou yon révélation, faut recevoir. Est-ce qu'on avait même? Premièrement, besoin recevoir révélation. Deuxièmement, ou besoin juger révélation. On nous dit juger révélation. Et troisièmement, ou besoin agir sous révélation, bon Dieu, bah ou. On nous dit agir. Premièrement, recevoir. Deuxièmement, juger. Et troisièmement, agir. On nous dit trois mots, encore qui ça? Premièrement, recevoir. Deuxièmement, qui ça? Juger. Troisièmement, très important. Premier bagage que nous besoin qu'on ait, le bon Dieu ba nous yon révélation. Nous besoin recevoir révélation. Regardez qui ça la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. On nous lit ensemble. La Bible dit qui ça? Mais l'homme animal, le mot animal signifie naturel ou bien charnel. OK, right? Est-ce que nous comprenons ce que ça m'a dit là? Le mot l'homme animal, il signifie l'ivini de anima en latin qui signifie soul. Donc en nous lisant ensemble, il dit qui ça? L'homme animal qui ça? Ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car la Bible dit qui ça? Elle est une folie pour elle et elle ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Gagnons une différence entre l'homme animal et l'homme spirituel. Gagnons une différence entre l'homme naturel et l'homme spirituel. Et la Bible dit comme ça que différence qui gagne entre l'homme animal et l'homme spirituel, c'est que l'homme animal ou bien l'homme naturel, la Bible dit ne reçoit pas les choses de Dieu. Donc, la Bible montrait que le bon Dieu parlait avec yon moun et puis li pas recevoir sa bon Dieu dit là, quel que soit niveau d'éducation que moun sa a gagné, la vive à l'état animal. Est-ce que nous rendons compte ça que dit là? Remettez verset encore pour ne pas penser que c'est moi qui dis ça. Pour ne pas dire, monsieur, mais pasteur Greg Lévy, bien bon, la matin pour le venir jouer le monde là. Eh bien, moi, je dis, qui ça la Bible dit? La Bible dit, comment faire reconnaître l'homme animal? L'homme animal, qui ça le gagne? Ne reçoit pas les choses de. Li met gen bachelor's degree, li met gen master, li gen PhD. Si le bon Dieu a parlé, sa bon Dieu dit là, li pas qu'à recevoir, la Bible dit, la vive à l'état animal. À toute connaissance les gagne. C'est ça que fait l'Éternel Baldi dans Ésaïe chapitre 1er. Ésaïe chapitre 1er. Il dit terre écoutez, mettez-le pour moi, m'pa vle dire par cœur seulement. Ésaïe chapitre 1er verset 1er. Il dit terre écoutez et puis le Baldi dit cieux prête l'oreille, on nous lit ensemble, il dit qui ça? Il dit là verse 2, next verse. OK? Ésaïe chapitre 1er, on nous aller. Il dit qui ça? Cieux écoutez. Terre prête l'oreille, car l'Éternel parle. Qui ça l'Éternel dit? J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont
révolté contre moi. Next verse, verset 3. Il dit, le bœuf connaît son possesseur. Et qui ça le dit? L'âne, la crèche de son maître. Mais il dit qui ça? Mais Israël ne connaît rien et mon peuple n'a point d'intelligence sous pas qu'on aime. Les m'a pas la voix, sous pas qu'attend des voix, ou pas qu'à obéir, ou pas qu'à recevoir. Il dit comme ça, ou même pis mal par ces bœufs là. Ou même pis mal par ces bourriques là, c'est ça la Bible dit. Donc, sous vin comprendre yon bagay, ou ap vin comprendre que le yon moun fon pire jidi, sou pa gen Jésus dans la vie ou, ça pas impressionné personne. Ou ka fait doctorat à la Sorbonne, ça impressionné. Ou ap vive à l'état animal, ça fait ça? Parce que la plus grande connaissance qui existait dans le monde, c'est la connaissance de Dieu, et pour pas gen connaissance ça. Oh, est-ce que l'église comprend ça m'a dit là? Est-ce que l'église comprend ça m'a dit là? Donc, ou gen doit gen pile information, mais sous pas gen révélation, ou pas gen besoin. Ah, ma preuve prendre encore. Hein? Ou ka gen pile information, qu'on prend dans l'école, dans le livre, dans internet, mais sous pas gen révélation, connaissance qui sortit de bon Dieu, ou pas gen. Est-ce que l'église commence à me dire? On nous dit révélation. On nous dit révélation. Dis ça, il faut dire révélation. Lors à marcher avec bon Dieu, faut gagner révélation. On nous dit révélation. Ça fait ça parce que révélation sont connaissances qui sont supérieures à information. Information, c'est ce qu'on prend dans mes mots, dans le livre, etc., etc. Révélation, c'est ça qui sortit de bon Dieu. Maintenant, gardons bagay. Ça veut dire qu'il y a moun qui spirituel là, le bon Dieu balion révélation, li recevoir. La Bible dit l'homme charnel ou bien l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Maintenant, bon aller un petit peu avec vous. L'un a parlé de révélation. Et l'un a parlé de révélation, un pile monde pas recevoir révélation de la part de Dieu parce que yo pas connaît, yo pas comprendre le bon Dieu parler. Et ça qui fait en pile nan nous pas comprendre le bon Dieu parler, c'est parce que n'a tande pour bon Dieu parler yon jan, mais bon Dieu parler yon l'autre jan. M'bral jon bagay kap fort kap attire attention. Est-ce qu'on connaît 90% fois le bon Dieu parler. Moi avec, si ne parle créole, n'attend pour bon Dieu parler créole. Si ne parle anglais, n'attend bon Dieu parler anglais. Si ne parle français, n'attend bon Dieu parler français. La majorité du temps, le bon Dieu parler, bon Dieu pas parler créole. Il pas parler anglais, il pas parler français, il pas parler espagnol. 90% fois, bon Dieu parle avant, il ne parle pas les langues maman ou papa avant. Il parle les langues de l'esprit avec vous. Dieu ne parle pas votre langue maternelle. La majorité du temps, quand Dieu nous communique quelque chose, il ne nous la communique pas dans notre langue maternelle. Il communique nous dans la langue de l'esprit. Si nous comprenons langue de l'esprit a ou à recevoir révélation sous pas comprendre langue de l'esprit a pas recevoir pour pas comprendre c'est moins cap dit ou des choses. Gardez ça la Bible dit par rapport à ça. Gardez ça la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13 pour pas penser c'est moins cap dit. On nous lit ensemble. Paul a parlé, il dit qui ça? Et nous parlons qui ça le dit? Non avec les discours, des discours quand c'est là sagesse humaine. En d'autres termes, m'a parlé non avec des discours humains, des paroles humaines, des choses humaines, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais elle dit comme ça, ce qu'enseigne l'esprit, et puis qui ça le dit? Lui dit, employant un langage. Qui langage lui utilisait? Pour les choses spirituelles. Employant qui ça? Un langage? Un langage? Un langage créole, c'est un langage naturel.
Anglais, c'est un langage naturel. Espagnol, c'est un langage naturel. La Bible dit, le bon Dieu a parlé des choses spirituelles, il utilise un langage spirituel pour les choses spirituelles. Il n'utilise pas un langage naturel pour les choses spirituelles. Il utilise un langage spirituel pour les choses spirituelles. En d'autres termes, le bon Dieu a parlé bagage sérieux avec eux. Il n'a pas parlé créole, espagnol, français. Il a parlé l'esprit. Qu'on y a fort comprendre comment l'esprit travaille pour recevoir. Est-ce que nous comprenons ça, m'a dit, hein? Soudainement, on vient comprendre nos bagages. Est-ce que l'église a suivi? Est-ce que tout le monde a suivi là? De la même manière qu'il y a des langages naturels, comme l'anglais, espagnol, français, grec, hébreu, tout ça, c'est langage naturel. Même si on a un langage naturel, il y a un langage spirituel. Qui est-ce qui langage spirituel? Différents langages spirituels sont capables de gagner. Rêve. Son langage spirituel. Vision. Son langage spirituel. Ou bien doit bral font décision et puis en songe, gon songe qu'on fait ou pas jamais dans nos mots, gon image qui passe devant. Image la papa les créoles, les papa les français, les papa l'espagnol, mais image la vle dit en bagage. La Bible dit Dieu communique les choses spirituelles par un langage spirituel. Si vous pas apprécier le langage spirituel ou pas recevoir le langage spirituel, ou dit depuis mon faire rêve, c'est manger, manger trop, qu'on y a ou pas recevoir les révélations de Dieu. Parce que la Bible dit comme ça, Dieu utilise un langage spirituel pour des choses spirituelles. On l'a comme ça. Bon Dieu qui a décidé de parler en créole avec. Mais majorité du temps, bon Dieu a parlé. Il n'a pas parlé créole, français ou bien espagnol. Il parlait l'esprit. Il communiquait par l'esprit. Il utilisait des langages spirituels. Rêve, son langage spirituel. Vision, son langage spirituel. Et fardeau. Qu'on gagne en cœur son langage spirituel. Est-ce que nous comprenons ce que je dis là? Hein? Est-ce que nous comprenons ce que je dis là? Sentiment qu'on gagne. Gagne quelquefois sentiment, sensation qu'on gagne. C'est langage spirituel. Ou gagne doit un monde et puis ou on y rencontre avec moun nan. Première fois moun nan paraît sous pour la première fois, cœur va plus casser. Hein? Son langage spirituel lui, son message lié. Il n'est pas créole, il n'est pas anglais, il n'est pas espagnol. Mais on peut bien comprendre. Son langage, la Bible dit comme ça, il utilise un langage spirituel. Ou il y a un monde depuis l'on en a favel, et puis il y a des gens qui ont quelquefois cassé, qui ont quelquefois pas jamais à l'aise. Ou par contre, pour qui ça ne fait pas à l'aise, tout le monde est pour à l'aise, il y a des choses, on dirait des choses qui connaissent, des choses qu'on ne pas connaît. Tout goumen ou ap goumen pour à l'aise ou pas qu'à l'aise. Mais nan may ou nan raisonnement ou pas qu'à jeune raisonnement parce que l'esprit ou ka kon bagay que intellect ou pas koné. La Bible dit le bon Dieu a communiqué les choses spirituelles, li communique par un langage spirituel. Koun y a ça que bon Dieu communique avant non langage spirituel là, li ka pon 20 ans pour expliquer nos langages naturels. Et en pile fois, l'homme a une capacité pour expliquer nos langages naturels. C'est les bons déblosailles qui passent. On dit, wow, depuis le premier jour, je me sens mal à l'aise. On nous dit révélation. On nous dit révélation. On nous dit révélation. Ma boy, on liste de langages spirituels. Rêve. Son langage spirituel. Vision, son langage spirituel. Chant, cantique, que bon Dieu mettait sous cœur. Non, saison, son langage spirituel. Soudainement, un chant qui a monté sous cœur. Chaque temps, ou levez le matin, pas de abdomen, ou levez pour jouer un chant sous lèvres. Prêtez attention, son langage spirituel. Ligon bagay l'abdi. Moi, parler de intuition déjà, c'est langage spirituel. Langue, moun qui parlait en d'autres langues. Bon Dieu, on a prié. Pendant qu'on a prié,
bon Dieu qui a communiqué au yon message en langue, son langage spirituel. Une voix douce et légère. Gè kèk fò ou gè do nan tan de prière et pou tan don ti voix tout petit qui dit ou yon bagay. Gè kèk fò ka di ou yon mot, son langage spirituel. Intuition, c'est langage spirituel. OK, réminiscence ou bien mémoire. Ou gè do gòn bagay ou te fin gòn bagay ki te passé longtemps et pou te blye ou non situation et pou gade ou bagay sa ko littéralement depuis lors te pitié pour elle rappeler aller li vin joine nous. Son langage spirituel. Est-ce que nous comprenons ça m'a dit là? Ça ne relève coïncidence. Quelquefois, c'est un langage spirituel. Quelquefois, bon Dieu permet que des choses yo coïncider rapidement et pour garder ouais ça connecté à ça. Quelquefois, bon Dieu pas parler avec des mots, mais lui parler à travers des événements. Plusieurs événements qui arrivent dans la vie ou, et puis cap confirmer même message là. Pas jouer là. Est-ce que l'église commence à m'a dit là? Donc, la Bible dit comme ça, le bon Dieu a parlé en pile fois, n'a pas pour nous donner une grosse voix qui a parlé bien fort. Non, la Bible dit Dieu utilise un langage spirituel pour les choses spirituelles. Est-ce que l'Église comprend ça, m'a dit là? Maintenant, regardez qui ça me dit. Retournez, remettez verset encore. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, et puis verset 13 et verset 14. En nous lisant ensemble. Il dit comme ça. Oh, il dit. Et nous parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, est-ce qu'on avait mais elle dit comme ça, mais ce qu'enseigne l'esprit. Ça veut dire, même Jean l'homme, il y a un discours parle, l'esprit, il y a un discours parle. Même Jean l'homme, il y a un vocabulaire parle, l'esprit, il y a un vocabulaire parle. Même Jean l'homme, il y a un genre parler, l'esprit, il y a un genre parler. Et l'esprit, pas parler même Jean avec l'homme. Est-ce qu'on avait mais elle dit, avec ce qu'enseigne l'esprit. Et puis il dit que ça, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et puis regardez qui ça le dit. Bon Dieu, utilisez un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais qu'on a qui ça passe si m'babay langage spirituel sa valeur. Regardez qui ça le dit. En nous lit ensemble. Il dit, mais l'homme, animal ou bien charnel, l'homme qui vit à l'état animal là, il dit comme ça, ne qui ça, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Faut en camper. La Bible dit comme ça, les choses de l'Esprit de Dieu, les baillons dans un langage spirituel, mais elle dit, l'homme animal là, le bon Dieu parle dans un langage spirituel, les pas recevoir. Et puis regardez qui ça le dit. Il dit, elles sont une. Elles sont une. Elles sont une. Ah bah, gars, mal l'école. Moi, dans l'école, je vais apprendre psychologie, je vais parler de rêve. Dans mathématiques, je vais dire vision. Mais vous comprenez, même affaire biologie, je vais dire bon Dieu, mais sous quel. La Bible dit comme ça, la Bible dit, l'homme animal là, l'homme a parlé de vision, de révélation, de fardeau que bon Dieu mettait sous cœur, de Jean bon Dieu. La Bible dit, il paraît une folie. Il demande, est-ce qu'on perd une feuille? Il dit, elles sont une folie pour lui. Et puis regardez qui ça le dit. Puisque il n'a pas recevoir, et puisque son folie, la Bible dit, il ne peut les connaître. Ça veut dire tout son méprisé ou pas que doit jamais gagner, j'aime toujours dire ça. Si yon moun pa bay rêve valeur ou pas jamais comprendre vous. Si ou pas bay vision valeur ou pas jamais comprendre vision ou pas recevoir vision ou pas comprendre vision. La Bible dit il ne peut les connaître parce que la Bible dit que ça c'est spirituellement qu'on en juge. Ce n'est pas intellectuellement qu'on en juge, c'est spirituellement qu'on en juge. Est-ce que n'avait main? Et puis regardez qui ça le dit dans verset 15 là. Il dit mais l'homme spirituel au contraire juge de tout et lui-même il est jugé par. On nous dit révélation. On déclare au nom de Jésus de Nazareth pendant ce moment c'est vos yeux spirituels ouverts. On déclare pendant ce moment c'est vos oreilles spirituelles ouvertes. On déclare pendant ce moment c'est pour tout sens spirituel ouvert. Moi déclaré pendant la semaine, ça, quel que soit Jean, bon Dieu, parler à cœur ou à recevoir toute révélation, ça y est, au nom de Jésus de Nazareth. Si recevoir, dis-moi, recevoir. La Bible dit les choses spirituelles. Il dit, il faut recevoir. L'on recevoir, ou capable qu'on est. Donc, premier bagage que nous fait, l'on mais bon Dieu, avec tout cœur. Révélation que bon Dieu, bon en cœur, que c'est dans j'éclat, que c'est dans dormi, ou recevoir.
On nous dit recevoir. On nous dit recevoir. Moun qui remet bon Dieu avec tout cœur. Le bon Dieu bon yon rêve. Le bon Dieu bon rêve ou panique. Ou panique ou prend rêve là au sérieux. L'on levé dans matin. L'on levé dans matin. Rêve qui pas signifie rien, l'esprit ou connaît pas signifie rien. Mais rêve qui a signification, l'on levé. La Bible dit le royaume recevoir lève, rêve de la part de Dieu. La Bible dit il fut troublé. L'on levé, c'est quand ou levé avec elle et puis ou l'irrité avec elle. L'irrité avec elle. Donc, ou prend l'oreille, mais bon Dieu, avec tout cœur, l'elle communique ou yon révélation, ou prend. Et puis, quand y'a dans la prière, ou dit, Seigneur, qui ça signifie? Rêve ça que m'de faire, vision ça m'de faire, fardeau que m'gen en kem nan, ces jours-ci, chant ça, kaple divine sous kem nan, tristesse ça que m'gen, ou bien joie ça que m'gen, qui ça signifie? Parce que tout ça yo, c'est langage spirituel, tout ça yo, c'est vocabulaire spirituel yo. C'est bon Dieu qui a dit un bagage. Ou al devant bon Dieu, on m'a dit le sal signifie. L'oré me yon moun, le communique yon bagage avec ou prend temps pour comprendre. Est-ce que nous avons hein? Le ou rema avec un moun, gen moun qui songe ça, l'oré me avec un moun, et petit ménage là, voyons on l'aide d'amour ba ou prend temps, ou al caché dans le coin. C'est pas ça? Ou al cache non coin côté l'autre moun pat nuit ou pour prendre temps pour li let la ou li let la deux fois trois fois ça que fait ça parce qu'on besoin comprendre sa ménage la di ou le bon Dieu vin tourner ménage spirituel ou l'amour de ton cœur le bon Dieu di ou yon bagay li bo yon rêve li bo yon vision li bo yon révélation li bo yon parole ou prend temps pour abruminer pour dire Seigneur ça le signifie. Révélation, l'homme valorise révélation que bon Dieu ban moi, moi valorise bon Dieu qui ban révélation. Et les mépriser révélation, moi mépriser si là qui voyait révélation. En pile moun sak fait yo pas recevoir plus révélation de la part de Dieu, c'est parce que surtout par exemple rêve, gen en pile moun qui traite rêve tant kou junk mail. Nous connait ça ou connait la caillou, là ou l'en mailbox ou. Et pour garder ou recevoir un paquet lettre qu'on pas jamais bay mon adresse ou pour généralement là ou lettre ça yo on garder yo et pour voyer dans fatra ou voyer dans fatra gen moun le bon Dieu bay un rêve rêve là ni vini ou voyer rêve là dans fatra et puis gen moun qui traite révélation bon Dieu tant coup junk mail. Est-ce que nous comprenons ça m'a dit là hein? Est-ce que l'église comprend ça m'a dit là même déclarer à partir d'aujourd'hui ou prendre l'autre dimension la révélation avec bon Dieu. Sous d'accord, ça dit gloire. Premièrement, il faut recevoir révélation. Deuxièmement, attendez, faut juger révélation. Regardez qui ça la Bible dit. Regardez qui ça la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 2. On relit 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13 à 15, d'accord? On nous lit ensemble. Mettez-la en français, s'il vous plaît. On nous lit ensemble. On nous lit tout ensemble. Lisez qui ça? Et nous parlons. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, il dit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et puis regardez ce qu'il dit. Il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elle est une folie pour lui et il ne peut les connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. Regardez ce qu'il dit, oui. Il dit, l'homme animal ne reçoit pas. Qu'on y a l'homme en verset 15, là. S'il dit l'homme animal ne reçoit pas, dans verset 15 là, m'attend pour le dire, mais l'homme spirituel reçoit. Est-ce qu'on va d'accord avec lui? Si dans verset 14 là, il dit l'homme animal ne reçoit pas, Folta dit dans verset 15 là, mais l'homme spirituel reçoit tout. Mais ce n'est pas ça qu'il dit. Il n'a pas dit l'homme spirituel reçoit. Attendez, oui? Il dit l'homme spirituel juge. Il dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Ça que fait ça? Ça que fait ça? Parce que le ou non, les choses spirituelles, ou pas ni recevoir comme ça. Avant recevoir, il faut juger.
Il dit l'homme animal ne reçoit pas, il dit mais l'homme spirituel juge parce que avant de recevoir, même si c'est de la part de Dieu, faut me juger, c'est après me fin juger, me ca recevoir parce que ça fait ça dans le monde spirituel, il y a plusieurs voix qui parlent. Donc première étape là, est-ce qu'on avait même faut juger. Deuxième étape là, faut juger qui est extrêmement important. Jésus était à peine, pendant Jésus, rempli du Saint-Esprit dans le désert, dans le Jourdain. La Bible dit, il tendait la voix du Père qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et puis la Bible dit comme ça, monsieur rempli avec l'Esprit et puis l'entrée dans le désert, là le jeûner, next voix le tendait, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du Père. Pendant le Père, pendant papa, Abdil, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Et puis Satan, le diable, a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre. Ça veut dire, ni papa, ni Satan a parlé. Est-ce que l'église avait, mais est-ce que l'église avait? Ah, ça sont gros bagages, m'a dit nous là. Le monde spirituel, de pour entrer dans le monde spirituel, où tendez tous les devoirs. Pas jouer, non? Faut pas jouer. Dans le monde spirituel, c'est pas voix bon Dieu seulement, entendez. Jésus t'entendait. Voix bon Dieu et voix Satan. Lorsqu'on entre dans le monde spirituel, où tendez tous les deux voyaux. Le monde spirituel pas séparé. Ou pas entrer dans le monde spirituel et pour seulement ouais, partie qui bon ou pas ouais, partie qui pas bon. Et pas comme ça le travail. Gardez tout prophète yo, qui ouais ange, yo ouais démon tout. Lis le livre de Daniel. Ou après Daniel, ou est ange, ou est ange Gabriel, baga. Mais ou est démon qui sont en bas de l'autre. Lis Apocalypse. Dans Apocalypse, lis ou est ange. Monsieur ou est ange, lis ou est le ciel. Mais ou est l'antéchrist tout. Lis ouais. L'homme ou entre dans le monde spirituel, ce n'est pas le positif seulement. Ou est ni positif ni négatif. Et c'est ça qui fait qu'on y a l'homme entre dans le monde spirituel, faut qu'on maturité. Pour dire ça de Dieu, ça va de Dieu, ça de Dieu, ça va de Dieu, ça va de Dieu. Ça. C'est ça que fait dire l'homme spirituel, juge de tout. L'homme recevoir un rêve, m'panique recevoir un rêve là, et puis automatiquement me dit c'est bon Dieu. Non, m'prend rêve là, et puis qu'on y a commencé à analyser à la lumière de la parole, à la lumière de l'évangile qui en donne, à la lumière de ça, bon Dieu dit, dans parole, s'il d'accord avec parole là, me recevoir. S'il pas d'accord avec parole là, moi dit arrière de moi, Satan. Est-ce que l'église commence à parler là? Ça veut dire qu'il y a des gens dans l'église tout qui tombent dans la séduction du diable. Parce que on voit que parler. Et puis, ils n'ont pas pris le temps pour analyser. Voir selon la parole de Dieu. Dans le livre du Deutéronome, l'Éternel dit, si un prophète levé dans le temps, et puis il dit nous qu'on baga qui va arriver. Et puis ça le dit arriver vrai. Et puis après ça, il dit on a l'adoré faux Dieu, il dit lapidez-le parce que son faux prophète. Il n'est pas un faux prophète parce que il a une mauvaise prophétie. La Bible dit comme ça, il dit yon bagay, ça le dit arrivé. Attention, oui là. Ça le dit arrivé. Mais, il dit nous à l'adoré faux Dieu, la Bible dit il n'y aura point d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire même si révélation là, elle semblait le vrai. Mais si lui-même la révélation a mené pour mal contredit la parole de Dieu, même s'il semblait le vrai, lapide son fausse prophétie, son faux prophète. Donc c'est ça que fait. Tant qu'on grandit spirituellement, tant qu'on a besoin pour capable gérer révélation, bon Dieu bien, faut aimer la parole. Faut aimer la parole. Est-ce que l'église commence à m'a dire là, hein? Des gens qui remet la prière et puis qui pas remet la parole sont danger. Lors remet la prière ou pas remet la parole pendant la prière ou à recevoir révélation, mais puisqu'on pas gain la parole ou pas qu'on a toute révélation à recevoir, qui voit que voit bon Dieu, qui voit que voit diable, parce que pas assez de parole qui pour Edo fait différence là. Est-ce que l'église commence à m'a dire là? Est-ce que l'église commence à m'a dire là?
faut aimer la parole, faut appeler la Bible, faut attendre des messages, faut en prise. Parce que c'est toute parole ça va recevoir qui a aidé à faire différence. Premièrement, nous dit comme ça, le bon Dieu parle fort, nous dit comme ça, faut nous recevoir, faut nous, deuxièmement, faut nous juger, troisièmement, et finalement, faut nous agir. Agir. Regardez qui ça l'a dit, ma force seulement lion, seul grain de verset par rapport à ça. Nous avons besoin d'agir sous révélation, pardon, que bon Dieu bat nous. Dans le livre du Deutéronome, l'Éternel fait une déclaration très importante. Deutéronome 29, verset 29, en nous lisant ensemble. Il dit, les choses cachées, il dit, sont à l'Éternel notre Dieu. Mais il dit, les choses révélées, ça c'est révélation. Les choses révélées, révélation, sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Qui dit, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles. La Bible dit, bon Dieu, bah nous révélation pour nous capables de mettre yo en pratique. Bon Dieu, pas bah nous révélation pour plaisir. Chaque temps, bon Dieu, révèle quelque chose. Que c'est à travers la prédication de la parole, que c'est à travers une vision, que c'est à travers un rêve, que c'est à travers un fardeau, que c'est à travers, quelle que soit une parole prophétique. Chaque temps, bon Dieu, bah nous une révélation. Depuis nous finissons de juger la révélation, hein? Et puis nous, elle matche la parole de Dieu, nous croyons, c'est bon Dieu qui bat nous, qu'on y a nous une responsabilité pour nous mettre en pratique. Nous avons une responsabilité pour nous agir. Ça le dit, nous avons une responsabilité pour nous faire. La Bible dit, révélez-nous les choses afin que nous mettions en pratique. Donc, chers amis, l'aurez aimé bon Dieu avec tout cœur ou valoriser. Révélation que le baou. Le révéler au yon bagay. Ou prend temps pour comprendre. Ou prend temps pour mettre en pratique. Ou prend temps pour valoriser. Le yon moun ou reme yon moun. Ou bien l'on reme yon moun. Moun nan voyon email baou ou bien voyon message WhatsApp baou. Ou prend temps pour li message là. Pour analyser message là. Et puis pour faire ce gen pour faire selon sa moun nan diou à travers message là. C'est comme ça tout l'aurait mais bon Dieu, les voyons message baou que ça à travers dimanche matin, yon verset biblique, yon vision, yon révélation, yon fardeau ou prend temps pour comprendre message là, pour analyser message là ou recevoir message là et valoriser. C'est un signe de votre amour pour Dieu que bon Dieu bénisse.